Coucou. Alors, pour Cherry Crow, a change would do you good. On va se mettre pour la folk avec un capot 1. Pour les guitares électriques, on enlèvera le capot parce que ce sera pas trop la peine. Mais on va commencer par la folk, comme ça c'est pas mal. Le motif principal du morceau, c'est ce qu'on entend quasiment tout le long là. Et donc pour faire ça, on se met en mi. On gratte, on peut se permettre de gratter que vers le bas, ça fait une attaque très régulière. Sachant qu'on peut aussi faire. Ça apporte plus de fluidité. Est-ce qu'on veut de la fluidité? Est-ce qu'on veut quelque chose de péchu? À voir. Donc on a ce mi qu'on va alterner avec juste l'index en fait. On va enlever ces deux doigts-là de temps en temps. Là, je suis en train de faire un si en power chord, et en vrai, si on veut le faire en entier, on fait un si mineur évidemment. Mais comme globalement, il vaut mieux gratter les quatre premières, on saura jamais si ce si est mineur ou pas, parce que c'est la note qui est ici qui va déterminer que le si est mineur. Donc, on se retrouve à faire. À peu près 80% du morceau. Le reste du temps, on va avoir. Alors, ça suit vachement les paroles, c'est pour ça que c'est plutôt pratique. On va avoir droit à un La à un moment donné. On va avoir aussi droit à un Ré. On va avoir droit à un petit Sol à un moment. Mais sinon, ouais, on a fait le tour. Bon, je vais mettre un couplet. Parce qu'il n'y a que dans les couplets qu'il y a des changements. Le refrain, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Allez, j'en ce morceau. Un peu moins vite, on a nos quatre phrases de couplet. On part sur le La après. Le Si qui est enlevé de la même manière que quand on le fait à la fin avec le Mi. Et on recommence. Là, on se retrouve avec une rythmique de feu de camp sur les derniers accords avant le refrain. Et sur le refrain, on repart sur le thème principal. Donc voilà, ça c'est, je viens de résumer la folk du morceau qui dure 3 minutes 47, ça va. La guitare électrique, maintenant on va lui faire un truc qu'on n'entend pas dans le morceau. On entend un truc dans le morceau, c'est une grosse fuzz avec juste une corde où ça fait un truc comme ça, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et puis ça se trouve, c'est la basse en fait qui fait ça. J'ai du mal à entendre. Donc la guitare électrique, on va se mettre en position. Si on va quand même mettre le capot, parce que comme ça on fera sonner la note grave. On va quand même mettre le capot comme ça. Par rapport au capot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e case. Et on fait sur les 2, 3 et 4e cordes, on fait ce petit triangle inversé là. Donc on est en 7, 6, 7. Et avec l'index, on va essayer de bien appuyer sur les deux cordes du milieu, même si on appuie avec ce doigt sur la même. Du coup, c'est pas grave, ça va servir.
Et donc on gratte toujours les quatre premières. On peut choper la première du coup parce que c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes notes. On suit le... Mais ici. Et après on se fait un petit power chord comme ça. En... C'est un do qu'on entend. Et on recommence. Que c'est bien de faire sonner la corde grave toute seule et après on fait les autres. Harmoniquement, c'est intéressant d'avoir ce bourdon qui traîne pendant qu'on fait le. Donc voilà, ça rejoint le motif à la guitare folk. Quand on part sur les autres accords, bah, du coup, ce qu'on va faire plutôt que de refaire un La ici, machin, on va les déplacer. On va le faire là, le La par exemple. Celui-là, il est bien. On fait notre l'équivalent du Si, bah, on le fait ici, on peut avoir corde. Puis on fait un petit appel sur le sol avant de repartir. Donc le Ré. Alors t'as vu là le Sol. C'est un Sol sixième et aussi suspendu. On entend une basse de La. J'ai un capot, je fais comme si j'en avais pas. Mais... Et on entend la note demi-aiguë. Donc ça... Mais ça fait un bon appel pour repartir après sur. Voilà. On a aussi un solo. Je pense que celui-là, on le verra en cours. Il n'est pas très compliqué, en vrai. Je pense même qu'il peut se retrouver à l'oreille assez facilement. On est sur une pentade d'eau comme ça. Et on n'a pas énormément de notes. Je crois qu'on va quand même chercher celle-là. Mais voilà, il est très lent. Il est un peu en retrait, mais il est très lent. Donc on a bien le temps d'entendre toutes les notes. On se le regardera une prochaine fois. Voilà pour ce morceau de Cheryl Crow. À bientôt. Ciao.